Hey, salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock Justice joue à Elden Ring. Aujourd'hui, on a plein de trucs à faire. J'ai même fait un tout petit truc en off avant de couper le Rock Show la dernière fois, et qui n'était pas dans l'enregistrement en différé. On s'était arrêté sur le géant cracheur de feu avec son bide. Et vite fait en off, j'avais envie de savoir quand même l'ascenseur de Roll, où est-ce qu'il va, et en fait il va par là. Donc je pense qu'en effet, l'autre zone va être là. Ce ne sera pas un truc sur plusieurs niveaux comme je le craignais. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et globalement, ça veut dire qu'on touche au but. Sauf que la zone des dragons avec les ruines, en fait, c'est là. Donc je ne sais pas comment on y va. J'y suis retourné avec les beffrois juste pour voir où c'était en me disant, mais mince, comment on y va ici? Bah voilà, c'est là, quoi. Les ruines flottantes dans un grand tourbillon avec plein de dragons, on les voit sur la carte d'ailleurs. Ouais, donc là, on sait pas comment on y va. Ça, on sait pas comment on l'ouvre. C'est les petits mystères qui nous restent. Le reste, c'est de l'exploration. Ici, on va choper la flamme pour cramer l'arbre. Et on pourrait s'arrêter là, mais on ne le fera pas puisqu'on a quand même tout ça à faire aussi. Eh, franchement, on va pas bâcler la fin. Hein. Donc ici, je suis venu avec l'ascenseur de Roll. Et apparemment, c'est un donjon puisque je ne peux pas me téléporter en dehors. Néanmoins. Est-ce que c'est ce que je veux faire maintenant? J'avais un autre truc à faire, mince, j'y ai pensé. C'était quoi? Ah, réfléchis, Juju! Pardon, je peux vous enlever ça, excusez-moi, je vous gâche la carte. À chaque fois, je commence par ouvrir la carte et montrer des trucs, et à chaque fois, je laisse les banderoles. Donc là, c'est les ruines avec les dragons. Voilà. Là, c'est la tour de je sais plus qui. Avec sûrement une ruine à activer, probablement celle. Morgoth nous a pas donné de rune. Non. Ou alors les runes. Ah si, mais elle est pas activée, donc c'est peut-être lui. Ok. Mince, je m'étais dit que j'avais un truc à faire, c'était. Est-ce que c'était en rapport avec Rani? Je crois que c'est en rapport avec Rani. J'ai eu un flash à la fin du Rock Show. Je me suis dit, on a fini la quête de Rani, il faudrait peut-être qu'on y retourne. Bien, on se casse. On va passer ça, c'est juste une animation avec un ascenseur. Ce qui est assez drôle, ce que je disais à la fin du Rock Show la dernière fois, ce qui n'est pas passé dans le différé, c'est que c'est quand même un ascenseur du coup qui ne fait que monter. Donc d'évidence, on a été tout en haut à la cime des géants. Et juste parce que c'est pendant une cinématique, hein, on ne peut pas sauter au milieu. Il faut avoir le médaillon secret pour pouvoir aller à l'arrêt intermédiaire. Ce qui n'a aucun sens en termes de gameplay. Vu que tous les autres ascenseurs du jeu, tu peux sauter au milieu. Il y a plein de portes auxquelles tu accèdes en sautant pendant que l'ascenseur est en train de monter. Mais là, c'est interdit. Parce que quand même, c'est une vraie zone secrète, faut pas déconner. Un peu ridicule. Bref, c'est bon, je peux me téléporter, ouais. Donc je voulais retourner voir. Rani, maintenant qu'on l'a épousaillée, à moins qu'on ne la revoie vraiment qu'à la fin. Ça y est, je me souviens de mon raisonnement. Mon raisonnement, c'était on n'a pas revu Blade. Alors, je voulais retourner voir Iji et revenir voir la tour ici. Et là, je pense que c'est Blade qu'on entend. Il est là. Attends, on va vite fait voir là-haut. Oh, cool. Mais mon Juju, tu es un génie. Pardon. Ok, donc t'es vraiment plus là, toi. D'accord, bah autant. Ça sert quoi qu'il y ait deux grâces avec aussi peu d'intervalle, en fait? Ah, je peux parler à la reine miniature. Pour ça qu'il y a une grâce ici. Dis-nous tout. Ça a l'air rigolo, la réalité suivant Rani. Which is why I would abandon this soil with mine order
Wouldst thou come to me even now, my one and only lord? Dis comme ça, comment refuser? Ok. Donc vraiment, toi, tu vas détruire la réalité telle qu'on la connaît. En termes de rupture de cycle, je crois qu'on est pas mal. Par contre, le Chabriri m'a parlé d'un endroit loin sous la capitale pour les trois doigts. Et loin sous la capitale, c'est là. Et loin sous la capitale, y a que dalle en fait. Enfin, on n'a pas vu les trois doigts en tout cas. À moins que maintenant qu'on lui a parlé, il y ait des nouvelles choses à faire, mais c'est vraiment ici, loin sous la capitale. J'ai pas bien exploré cette zone peut-être. Ce n'est pas impossible. En tout cas, pour l'instant, on a Blade à voir. On ira voir IJ aussi. Enfin, je pense que c'était lui, vu le manteau de fourrure que j'ai vu. Oui, clairement. T'as tué un assassin de la lame noire. Bravo, c'est bien. Ah, tu vas mal. Oh, oh merde. Ok, très bien. Plusieurs assassins de la lame noire même. Oh mon dieu. Que c'est beau. Ce saut qu'il nous a fait. J'arriverai pas à lui gueuler dessus. Laisse tomber. Merde, j'ai tapé qu'avec une seule lance. Quel débile. Moi aussi je peux le faire, Blade. Ouh, 1168, ça pique, non? Ha ha ha, le coup latéral, comment je l'ai vu? Oups. Non, c'est bon. Ah, je suis désolé, mon loulou. Dex fois peut-être. T'y as vraiment cru, non? Force intelligente pour ton espadon. Eh ben dis donc. Espadon décoré dans le style royal de Caria, arme favorite de Blade, le semi-loup. Refusant le destin dont il avait hérité la naissance, Blade jura de ne servir nul autre maître que Rani. Pour prouver son allégeance, cette épée fut imprégnée de magie glaciale le jour où il prononça son serment. Donc sa compétence est celle qu'il a fait, je pense. Ok. Ouais. Alors on saute un peu moins haut que lui, hein. Puis là, il n'y a pas le givre parce que j'ai pas les stats pour le faire, mais... Force, intelligence. Je m'attendais pas à ça pour toi, mon Bladeuné. On peut retourner voir chez Celebius, on avait des trucs à faire, je crois. Les pantins, là. Et j'ai des runes qui traînent quelque part, apparemment. Ah bah oui, au boss, évidemment. J'en ai quelques-unes, je crois. Ce serait dommage de mourir. Heureusement que je suis pas mort sur Blade. Et qu'est-ce que j'étais en train de me dire d'autre? Ouais, en termes de choses comme ça qui restent un peu en suspens, il y a Millicent, mais je pense qu'on va la retrouver à la flamme ou quelque part du genre. Il y a la servante aveugle, mais je pense qu'on va la trouver avec les trois doigts, loin sous la capitale, mais je ne sais pas où. Peut-être que je retourne explorer. Et il y a le dragon du plateau Altus qui s'est fait la malle, je crois qu'en termes de choses... Écoute, j'en ai 10, je peux prendre tout là. Vas-y, hein. Je ne sais pas si je les utiliserai, mais c'est rigolo. Je vois pas à quoi ça sert d'autres les éclats de lumière, tout ça. Ok, et ici on avait tout fait. Oups. Dommage, hein, on peut pas avoir la tête de Blade, quoi. Compréhensible, c'est une tête de loup, c'est pas un casque, mais. Dommage, c'est quand même ça le plus cool dans son attirail. Faudrait quand même que j'aille voir la description de son armure et tout.
Oui, on avait fait tout ça, d'accord. Du coup... Ah, pas de grâce. Du coup... On peut retourner voir... IJ. PF. PF. On peut retourner voir IJ. Je suis en roulade moyenne. Oui. Ok. Qu'est-ce que t'as à nous dire, IJ, après tout ça? Là, il est mort. C'est pas moi. Pardon. Bah ouais. Pas bien compris pourquoi il nous a attaqué par contre, mais bon. Ok, toi tu ne dis plus rien du coup, très bien. Donc c'en est fini de cette histoire-là? Vraiment, vraiment? Est-ce qu'on peut retourner parler à Rani après avoir tué Blade? Ou Blade, comme ils disent eux. Ils disent pas deux, enfin ils disent pas des, ils disent autre chose. Parler à Rani... Non, c'est bon, tu dis toujours la même chose. Ouais. Ok. Ok. Et bah... Fort bien. Maintenant que ceci est fait, soit je retourne chercher mes runes là, soit je repars un peu explorer ça, parce que quand même, hein, histoire des trois doigts là, ça me taraude. Peut-être que je devrais reparler au Chabriri, qui m'en dise un peu plus. Il est juste là. Yes. Accessoirement... Je suis pas venu ici. On va faire ça. On va parler au Chabriri. Qui a pris possession de je ne sais plus comment il s'appelle. Le mec qu'on a vu au tout début du jeu. Et... il est où? Il est juste là. Tu m'envoies par là, toi. Ah oui, parce que forcément, faut faire ça. Et après, on va aller voir ce qu'il y a là-haut. Oui. C'est ça, loin sous la capitale. Les trois doigts de la flamme exaltée. Certes. Mais comment descend-on loin sous la capitale, à part là où on était sous terre? Y a-t-il un autre ascenseur quelque part qui va à un autre loin sous la capitale? Eh ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est pas impossible. Ici, c'était la lutte entre les corbeaux et les trolls. On s'en fout, on les laisse tranquilles. On n'a pas bien exploré toute cette zone. Hein. On a fait ça vite fait. Ah si, ça y est, je sais ce que je vais faire aussi. Je devais retourner à la garnison de la flamme. Parce que j'ai vu en regardant la vidéo un petit passage. Derrière des caisses, il y avait un mur cassé. L'avantage de revisionner des petites bouts de vidéo pour trouver un titre à l'épisode. Je me suis dit, tiens, en fait, regarde le truc de la garnison, regarde un peu à l'étage, là, s'il n'y a pas un petit passage, en fait. Et évidemment, il y en avait un, il n'y avait pas rien dans cette garnison, donc on va y retourner aussi. On a des petites choses à faire avant de retourner au boss. Tant pis si on perd les runes. C'est pas grave. Et je peux pas ouvrir la carte, évidemment. Ne tombe pas. C'est pas. C'est trop, hein. Ça semble être beaucoup trop. Oh, une main. Oh, des mains. Là, c'est pas trop haut, quand même.
Si. Si, Juju, c'est trop haut. Bon, bah voilà. Banane. Ouais, il y a des hauteurs. Bah après, je suis tombé longtemps là quand même. Ça semblait être vraiment haut du coup. J'ai un peu sous-estimé la hauteur, clairement. On se calme derrière, s'il vous plaît. C'est pas la peine de venir me faire peur comme ça devant la caméra. Bon bah on a perdu une rune qui était au boss. C'est pas grave, encore une fois, c'est pas grave. Donc du coup, refais pas la même bêtise. Là, ça va, c'est pas trop haut. Alors, on aurait fait ça sur cette petite marche là, ça aurait été parfait tout à l'heure même. Bref, pas grave. Pas grave du tout. Oh, petit objet. Oh, ça me fout. Hey. Petit donjon dans ce recoin? Non, une main. Elles aiment pas le feu, elles aiment pas le feu. Pas d'objet? Zut. Si, si, un objet. Ah, voilà. Je me dis, mais j'ai vu un espèce de... Ah! J'aime pas quand vous faites ça. Donne-moi le... Brûle et donne-moi l'objet maintenant. Merci. On s'en fout. Il y a encore un espèce de reliquaire de Mikaela? Peut-être bien. Ah, il y a un troll aussi. La guerre contre les géants, les champions garois, les trolls trahissent. Le feu se meurt. S'ouvre l'ère de l'arbre long. Certes. Si tu veux, si tu veux. Pardon, excusez-moi. Ya! Oui. Tu vas te calmer, toi. Il y a un saut à faire à un moment. Ouah! On savait qu'il y avait une main dans cette crevasse. On l'avait vu il y a fort, fort longtemps. Ça aurait pas dû être une surprise. J'aurais dû m'en rappeler. À part sa structure, il y a l'air d'avoir rien. Si ça se trouve, c'est un donjon qui descend loin, loin sous la capitale. Et on n'est pas à la capitale, on serait complètement con. Oui, c'est complètement con ce que tu dis, très bien. C'est un donjon. Eh bien, allons-y. C'est parti pour le donjon. Mes lances sont prêtes! Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit donjon. La tombe des pourfendeurs de chair. Tant qu'il n'y a pas des chariots débiles, moi ça me va. Il va y avoir des chariots débiles, je le sens. Je le sens. Je sais pas pourquoi je le sens. Une incantation de la flamme. Cool. Elle fait quoi celle-là? Résistance aux dégâts de feu. J'allais dire, ce sera peut-être bien contre le géant, mais en fait, le problème du géant, c'est pas ses flammes, c'est son assiette qui m'aplatit la gueule. Il n'y a pas une flamme protège-moi contre les assiettes qui aplatissent la gueule, non? Faut que j'arrête de faire R2. C'est L1 qu'il faut faire. Hey, oui. Ça tapote. J'ai pas repris mes fioles. Pas grave, on en aura pas besoin. Oh, un truc de lumière encore. Sauf qu'il n'y a pas de lumière ici. D'accord. Ah bah si, là-bas, derrière lui. Donc vite, 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 vite. Cours. Ah, c'est un chaton du froid. Allez, venez. One shot pour les gargouilles, c'est nickel. Alors, monsieur.
C'est quoi ce que j'entends à droite? C'est des flammes. Je suis loin? Ah, je suis loin, débile. Trop tôt. Ouch. Bon, j'étais pas à fond de vie, mais ça pique quand même, hein. Ça pique. Bon, très bien. Ah, oh, mais Santé. Bien, sachant que j'ai je sais pas combien de points de vitalité avec mes deux talismans là. Peut-être qu'il va falloir que je la remonte à un moment. C'est un ennemi de base. Enfin, c'est un mini boss, mais. Mais là, c'est pas un mini boss, c'est un ennemi de base. Qui nous one shot. Les futurs boss, ça risque d'être compliqué là, les boss de fin. Hein. Craboui-boui. Ah, elle va cracher du froid. Ah, ça va picoter froid. Ça m'a rien fait. Bah, t'es nul. Ah merde. Attends. Je me suis gouré, j'ai pas remis. Ah, ma lance. Mais. C'est quand même le premier boss qu'on a fait dans le jeu, ce timing. On le connaît depuis la première heure de jeu. C'est chiant. C'est chiant qu'à la 80ème heure de jeu, on l'ait oublié. Oh, oh. On fait une trop tôt et une trop tard. Bon bah la prochaine c'est la bonne quoi, hein, normalement. Voilà. On y retourne. Pif. Pourquoi c'était pas un one shot cette fois sur la gargouille? Allez, viens dans la lumière. Viens. Viens, viens, viens. Allez, avec tes petites pattes de échelle. Mais bouge-toi. Ah, merci. Craboubouille. Mais il tape fort, en plus. C'est bien pour me remettre le timing dans les doigts, hein. C'est bien. C'est nouveau ça. Pourquoi je roule vers lui moi? Est-ce que ça demandait vraiment autant d'efforts, monsieur Juju? C'est normal que ça demande vraiment encore autant d'efforts? Je suis pas sûr. Oh, elle est loin. Faut faire une pause. Vilain. Brûle. Ah, ah, ah. Alors, elle est bonne la flamme, hein? Je suis pas dedans. Hein. De toute façon, j'étais dans l'animation. Nickel. Je peux pas la faire descendre plus. Oups, je vais me cramer les miches. Oula. On rentre pas dans une salle en courant comme ça, monsieur. C'est dangereux, enfin. Complètement inconscient, ce justicier. Enfin, ce justice.
C'est cool, j'ai fait une attaque gratos sans utiliser d'endurance. Sympa. Très sympa. Ah. Fallait que ça reste en haut alors. Apparemment. Est-ce que je peux jeter un truc pour l'activer? À part moi-même. Mince. J'arrive pas à la voir. Non, mais ce sera pareil quel que soit le rayon que tu prennes, justice. Espèce de patate. Je suis un génie! Bien. Ça leur a demandé quelques essais quand même. Oh, oups. J'ai pas vérifié les coins, il fallait vérifier les coins. Eh, eh! Ah! Il y en a plein! Pardon! Ah, vite! Oups! Oups! Ah! Ah! Il est tombé l'autre ou pas? Qui dit on s'en fout? Moi je dis on s'en fout. Il y avait autre chose à faire à part cette petite zone là-haut. J'ai chopé quoi du coup? Un truc crânien? Ça. Force foi. Candélabre employé par les fidèles de Birak. A mon avis, ça va être notre boss. Ouais. Une Birak se tranche à lui-même la tête. Dans le but qu'elle serve de chandelier. Un peu con-con le Birak quand même, non? Armure noire et usée de Blade. L'homme, loup. La fourrure fait office de cape et protège du froid. Blade servait autrefois à Rani et était parfaitement conscient que le froid était pour lui le prix de la liberté. Si il veut. Peut-être moyen quand même qu'on puisse transformer notre tête en tête de loup à un moment. Hein. Vous pouvez bien transformer en tête de dragon dans... Ah, c'était temporaire. Quoique... Dark Souls... Oh, on pouvait faire avoir une tête de dragon, non? Oh, je sais plus. T'en fous. Ah. Comme qui dirait, une grande porte ici. Ok. Je peux pas aller par là. Et la lumière, sinon, il n'y en a pas ici. Hein. Comme l'impression que ça sent l'arnaque. Comment je te tue s'il n'y a pas de lumière? Et quand même, une belle structure bien circulaire au centre là-bas, ça donnait vraiment, vraiment envie de prendre la lumière. Enfin, qu'il y ait de la lumière là, mais... Tiens, une porte. Est-ce que c'est une porte qui s'ouvre? Bah, oui, mais pas comme ça. Salut! Pourquoi je te fais un piqué de la flamme, t'es un mec de feu? Je suis con. Ah, j'ai raté la deuxième. Ah. Je vois beaucoup trop de gueule quand je suis midlife. Hein. Saut des géants. Ah. Merde. Ah sérieux, la flamme m'a interrompu pour faire mon attaque sautée, c'est pas cool. Le retour? Non.
Hop. Non mais... Pardon. On va voir, regarder ce que c'est quand même le saut des géants. C'est peut-être... C'est peut-être bien. C'est un saut. Donc c'est une arme à distance. Fois 160 de base. Je sais plus combien c'était la base de ça. Du coup, ça m'aide peu, en fait, de savoir que c'est 160 de base. Saut sacré représentant le dieu cyclope des géants de feu, paré de tresses rousses. Porté par les prélats des moines gardiens du feu, ce catalyseur renforce l'incantation de la flamme des géants. L'incantation de la flamme des géants. C'est pas les incantations de la flamme, c'est l'incantation de la flamme des géants. En même temps, c'est la flamme des géants. Tout ça parle de la... C'est pas de la flamme, c'est de la flamme des géants. Ça parle de la flamme de la ruine. J'avais pas lu tout ça, hein. Ça parle de la flamme qui est capable de consumer l'arbre-monde. Au terme de guerre contre les géants, son pouvoir destructeur fut enfermé et les gardiens furent désignés pour la surveiller. Ok, ça aurait été intéressant de dire tout ça avant. Bon bref, maintenant on sait. Ça apporte pas beaucoup d'infos, mais bon. On comprend de quelle guerre parlait Mikaela. On peut choir ici. Avant de gésir en bas. Il y a des verbes comme ça, qu'on n'utilise pas assez. Eh bien, nous allons choir là-bas. Ok, c'était hyper utile. Oh. Approchez. Vite. Deux. Non. Calme-toi. Oh oui. Je vais pas essayer de faire L1 quand il y a ça, pour voir s'il fait un double coup critique, mais je pense pas. Un espadon de veilleur. Alors à tout moment, on peut reprendre notre autre espadon si on en a un qui est d'ex fois. Ce serait vraiment super, mais... Ah, force 30. Non, maintenant je passe. Non, pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout. Alors, deuxième. Eh, coucou. Eh, viens, mon gros. Du coup, on a enfin eu le dernier muguet pour améliorer une cendre normale. On n'en avait pas jusqu'à maintenant, je crois. On avait eu les grands muguets fantomatiques pour améliorer les cendres. Spécial. Re. Oui. Le prochain, tu devrais... Non. Te faire ouvrir. Merci. Non. C'est la dernière. J'y vais. T'es con! C'est pas comme ça qu'on juge. Juju! Non! No! Oui! Yes! Un deuxième espadon de veilleur. Oh, j'aime pas avoir des armes en double. Tant pis. Ah, plus de vie! Je suis bien loin dans le donjon, je sais pas comment revenir ici rapidement. Un peu relou ça. Bon, on verra bien. Allez, grimpe, allez, grimpe, allez, grimpe, allez, grimpe, allez, grimpe. Yeah. Ok, ça me ramène ici, parfait. Est-ce qu'il y a un levier pour ouvrir la porte du boss et ou mettre de la lumière pour tuer le troll? Rien du tout. Zut. Il y a un truc là. Oh.
C'est un truc ou c'est un bug de texture? Je crois que c'est un bug. Ça ressemble pas à une flamme d'objet en fait. J'ai cru que c'était ça, mais. Ok, mais du coup. Bah, crotte alors. Et je vois pas de petite statue là pour mettre de la lumière en fait. On va revenir d'où on vient. Hein. Ah! Non, ça c'est l'ascenseur. Il y a cru. Sous l'ascenseur? Ah, il y a peut-être quelque chose sous l'ascenseur. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas été sous un ascenseur. C'est-à-dire en fait qu'on n'y a jamais été. Il fallait bien que ça arrive à un moment. Ha 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 ha! Nice! C'est peut-être en tuant le troll qu'on ouvre la porte. J'ai plus de vie. Crut. Dans les consommables, j'ai un truc qui rend des pointillés ou pas? Ah, j'ai un truc qui me rend des PV mais qui donne du poison. Pardon. Ça peut très vite se régler. J'avais même pas besoin de faire ça parce que j'étais même pas à fond de poison. Ok, il n'y a plus qu'à te tuer sans mourir. Et après, on a un boss sans fiole. Easy, easy. Monsieur ? Coucou. Tu me vois ? Moi, je te vois. Hein. Allez, viens. Yeah. Ah, bah ça t'a fait coup critique, mais pas vraiment. Ah, voilà, ça c'est un vrai coup critique, ça. Nice. Je me disais, il va tourner, mais il va jamais faire un 180 sur cette attaque-là. Et j'ai eu raison, nickel. La porte lourde s'est ouverte. Chouette. Très bien. Et ben go le boss. Avec des ressources. On va appeler Lulu. Et on verra bien. Hein. Peut-être qu'on va le poutrer sans fiole. Hein. Ou pas, ou pas, ou pas. Ok, t'es mort. Nickel. Trop facile. T'es juste un mec du plateau des géantes. T'es juste un pauvre type. Bon, ok, t'as une phase 2 si tu veux, mais tu vas quand même crever. Hein. Je regrette de vous le dire, monsieur. Même Lulu peut te tuer, alors... Nope, tu te relèves pas. Voilà. Ah bah c'était bien. Épée courbée de Zamor. Des gaitres. Fort bien. Elle est où l'épée courbée de Zamor? Elle est là. Je pourrais partir en mode double espadon courbé. Ah mais c'était de la force. Force Dex, non. Allez, lame courbe. En fait, c'est pas vraiment de la Dex, quoi. C'est ouf. Donc, ouais. Pas de katana Dex fois.
Tristesse. Enfin, pas que j'ai récupéré en tout cas, bien sûr. Bon, bah voilà, c'était un bon petit donjon, ça. Ça, c'est fait. Ok. Fort bien. Mais ça ne me donne pas la solution pour les histoires de... Ah. Tu montes quand même autre chose, toi. Ah. 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 Tu montres quoi, là? On le voit d'ici. Ne tombe pas, s'il te plaît. Alors, attends. Ah, normalement, je suis à peu près vers la statue, là. Elle est où? Ne tombe pas, s'il te plaît. Attends, on devrait la voir. On est... Ou alors, c'est encore plus en contrebas. Non, non, on devrait la voir. Elle devrait être derrière l'arbre, là. Ah, ça y est, je la vois. Et donc, elle pointe par là. Elle est là, la statue. Attends, je te la montre avec... Là, avec ma lance arborescente. Là, là, elle est là. Et donc... Oh. Et donc... Elle me montre... Ne tombe pas. Oh, attends. Si ça se trouve, on peut aller là et elle me montre ce qu'il y a là. On n'a pas vu de grotte avec un petit truc rouge, hein, ici. Vérifie. Et une mine. Ce serait cool, une mine avec plein de choses dedans. Non. Je vois pas, en tout cas. Nope. Ok. Elle pointait en bas ou en haut? Ah, je me souviens plus. Je pense pas qu'elle pointait de l'autre côté. De toute façon, on le voit sur la carte, la trajectoire du truc, mais... Quand même pas une entrée de donjon ici. Non, c'est un caillou, Juju. Ah, d'accord. Super. Tombe pas. D'accord. Ah non, s'il y a les mains qui m'ont vu, je peux plus me téléporter. Ok, ok, ok. Ah, j'ai 117 000 runes. Ce serait con de mourir maintenant. D'un coup de doué. Carte? Yes. Là? Je suis où là? Je suis venu ici moi? D'accord. Ah si 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 bien sûr que si. Bah oui. C'est comme ça qu'on arrive ici, d'accord. Ça, c'est de là. Comment je vais de là? C'est quoi ce squelette-là? C'est lui? Non, c'est lui. On a pris un truc dans sa bouche, oui. D'accord. Donc, ce que je vois sur la carte, c'est le truc qui est en bas. Est-ce qu'on peut y aller? Oh, moi, je dis non, hein. Comme ça, enfin. On va retraverser ça. On va voir s'il n'y a pas un autre chemin. Donc tout à l'heure, on était là-haut. Hein, là où pointe mon lance arborescente. C'est là qu'on était il y a quelques secondes. C'est là qu'on a fait le donjon. Hmm.
parti. T'aurais peut-être pu banquer tes runes, mon Juju, quand t'étais à la grâce. Oui. C'est vrai. J'aurais dû même. Mais bon. Une chute est si vite arrivée. Puis une deuxième. Une chute, ça va. Juste à poser tes runes par terre, c'est la deuxième qui pique. Et donc ouais, définitivement, ça c'était pas un chemin... Non. C'est juste une forme sur la carte. Ok. Mais du coup, oui, le donjon que pointe la statue. Pas tomber, c'est encore mieux, oui. Je suis bien d'accord. On va faire ça, donc. Ah mais oui, le donjon, il est si bien caché. Non. Non, il n'est pas bien caché, non. Bien. Ah, l'œil de bête se met à trembler. On a lu ça il n'y a pas longtemps. Ah bah c'était à l'ascenseur de Rold, je crois que j'ai lu ça. Il n'y a pas longtemps. On se met à 35 ou pas? Ou on vise le 70 deux fois? Un niveau sur deux, je gagne un point de dégâts, c'est nul. On va arrêter, hein. Pardon. Je serais pas efficace comme concepteur de Charlie, pas trop, non. L'endu serait pas mal. Hein. Mais je crois que je vais mettre de la vigueur à 35. Histoire de simplifier un peu la vie. Quand même. Ah, c'est plus du one shot ici, d'accord. Ah, derrière ou pas? Non. Ok. Hey. Non mais... Yé. Aouh. Le saut pour esquiver le couteau, la roulade, et enfin le saut et le finish. Ah, pas du tout. Ah, j'ai plus d'endu. Oups. Non. Suffit. Ça se tente. Il y en aura un jour. Donc. Ah zut, c'est un grand donjon. Essayons de voir s'il y a un endroit où on peut descendre au milieu. Il y a un truc en dessous de l'ascenseur, ça c'est sûr. Ah merde, il y avait un truc juste là. Allons voir la porte du boss. C'est bien la porte du boss, oui. Y a-t-il un autre chemin? Ah oui, ça va super loin, d'accord. Sérieux, y'a rien? Oh la déception! Vas-y! Comment c'est nul! Ah, c'est donc comme ça qu'on descend. Bah descendons, tiens. Du coup, c'est bien, c'était pour me forcer à voir ça. Ils sont malins ces développeurs! Ils font trouver des trucs sans qu'on s'en rende compte, c'est merveilleux. Bah non, ça c'est pas un mur isoire par contre, ça. Ça. Bah si, c'en est un, ça se voit, non. Bon.
Et on peut descendre encore plus bas. Non. Clairement pas. Très bien. Oh, une effigie. Cool. On n'aura pas tout à refaire. Zbam. Elle est où ma gougouille là? Ah! Elle est en train de remonter, j'avais fait. Ok, te fais pas one shot. Ouah! Oups. Oups. Qu'est-ce que c'est que cette trajectoire pourrie que j'ai faite avec mon saut là? J'avais à chaque fois beaucoup trop sur le côté. Pif. Ça c'était sûr. Mais vous êtes au combien? Ah non, c'est une tourelle de givre du coup, d'accord. Merde. Merde. Ça brûle froid, ça brûle froid. Oh, sérieux? Mais il fait deux tours, tu le sais qu'il fait deux tours, banane. Oh. Bon, on est juste à côté, c'est pas très grave. Ah, oups. Zut, crotte flûte. C'est marrant, les ennemis ont vachement plus de PV dans ce donjon que dans celui qu'on a fait juste avant. Oups. Mais il s'est mis sous le plafond, le con. Bon, ça a pas changé son timing, heureusement. Touche-le. Non, tu vas pas toucher. Si, tu l'as touché. C'est cool, c'est cool, c'est cool. On peut un peu abuser du fait qu'il soit là. Hein. Là où t'as l'impression que ça te passe au-dessus de la tête et ça te touche quand même, c'est toujours relou. C'est la même avec les mecs de Zamor là. C'est chiant. Mais bon, je voudrais le savoir plus le temps, hein. Il faut continuer de tourner. C'est pas vraiment un bon moment pour taper sur cette attaque là, c'est clair. Hein. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est quand même dommage de se faire encore avoir par ça. Tu fais trois fois? Ouais. Trop tôt, Juju. Ah non. Merde. Heureusement que ça m'a pas poussé dans un petit truc de gel, je serais mort. Ah! Là, ça a changé ton timing. Non, t'es con. Oui. Et 3. Plus simple à esquiver en reculant. Mais bon, mieux placé pour taper si je le fais vers lui. Trop tôt. Ouais, ce timing, Juju, enfin. Schlack, schlack, et moi j'y vais. Bif. Non mais... 5 fioles encore sur cette ennemi, hein, c'est... C'est pas... Ah,
c'est pas bien, était la fin de la phrase. Qu'il est relou, mais qu'il est relou. Il revient ou pas, le gros machin? Ah bah bien sûr. Puisqu'à ce stade du jeu, ce n'est pas du tout un gros machin, c'est un pauvre ennemi, ah, de base. Saute. Ah, oh. Pas dans le nuage, pas dans le nuage. T'es assez loin. Merde, tu fais quoi? Mais sérieux? Qu'est-ce que je m'embête sur une attaque aussi simple? Bref. En plus, avec lui, il y a le petit bruit avant. Qui aide quand même vachement pour le timing. C'est tout à l'heure avec l'épée, n'avait pas le petit bruit. Trop tôt, et tu sais que le manche fait mal. Sur le côté, du coup, c'est beaucoup mieux. Merde. Merde. C'est bon, on peut passer à la suite, ça y est. Trop tard. Non, c'est bon. Je devrais aller désactiver la tourelle avant de faire ça. C'est qui, c'est où? C'est toi. Tiens, c'est cadeau. Nice. Oh non! Oh non! Rexer, petit pari. J'adore l'animation quand il recule. Bien. Du coup, et puis, je suis tout lent du coup, je suis tout gelé. Quoi, faut activer lui. L'autre souffle pas si toi tu souffles, mais ça m'aide pas en fait. Ce qu'il faut, c'est que je le désactive avec quelque chose à distance. Sois pas con. En fait, s'il te plaît. Voilà, pas compliqué. Pourquoi je m'embête à courir et à faire des roulades vers des petites corniches? Surtout que ça, c'est un muriseur, c'était évident. Attends, on peut aussi taper dessus de loin, c'est pas obligatoire de courir comme un dératé. Non mais... Allez, encore un. Ah, trois têtes en plus. Toi, t'es le gros costaud, quoi. Oups. Faudrait que je réactive la tourelle. Ce serait tellement beau. Ah. Ça t'a fait que 500. Je dois avouer que je suis déçu. Désactive là du coup, avant de te la taper. Il accélère à la fin, il accélère à la fin, il accélère à la fin. On peut y aller. Non! Non, on peut pas y aller. Oh, relou. Il restait plus que 7 ennemis pour ce passage là, c'est juste pour avoir un coffre. Hein. Ça se trouve, c'est un truc de merde en plus. Pfff.
Bref, pas grave. La bonne, c'est que les tours, elle est en désactivée. Moi, j'ai décidé que j'en avais rien à faire. Et ouais. Juste toi, faut te tuer, c'est sûr. T'es du genre persistant ou pas, toi? Non, c'est bon, il est aux fraises. Super. Et bah parfait. Sérieux? Sérieux? Patience, 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 patience. Voilà, c'est là qu'il accélère. C'est bon. Aïe. Ok, nickel. Je me le suis dit quand j'ai appuyé sur le bouton, je me suis dit mais c'est un peu tôt. Mais oui, mais putain, ça fait 20 fois qu'on esquive cette attaque dans cet épisode et on en est encore à le louper. Merde. Oh, c'est pas vrai. Saoulant. C'est simple comme attaque en plus. Ah ouais. C'est pas grave si tu meurs, on s'en fout des runes, c'est juste vexant. Ça nous fait perdre du temps sur tout ça. Allez, hop. Bon, donc, on le vise pas avec la visée auto qui fait de la merde. Contre la table. T'es pas trop près du mur, non, ça. Ça va, ça. Oh, putain, ça fait mal, hein. Pour un pauvre bout de nuage qui me chatouille la jambe, là. Ah, j'ai pas tapé. Pourquoi? J'avais l'endu. C'est bien pour l'esquive sur le côté. Schlack, schlack. Merci bien. Oh, oh, hop, hop. Voilà. Ah, je crois que le coffre avait disparu. J'étais, bah, c'était un coffre illusoire, mince. Je suis déçu. Voilà. Je suis déçu. Dégoûté serait peut-être même plus proche de la vérité, mais bon, écoute. Ça se trouve, une cendre bien lambda montée niveau 25, si ça marche comme les armes, c'est excellent. Je le ferai pas, on restera avec Lulu jusqu'à la fin de la partie, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Oh, de bien avoir un succès pour montrer un truc, monter un truc niveau... Niveau 25. En fait, toi, j'avais dit quoi? Donc, je peux te mettre niveau 21, je peux te mettre niveau 20... 23, mais pas 24, parce qu'il m'en manque 5 comme ça. Dès que j'en ai 5 de niveau 8, je peux mettre ma lance arborescente à max. Évidemment, dès qu'on aura une pierre sombre, on pourra aussi mettre la lance de Vike à balle. J'aurais pas dû faire ça, si c'est bon. Avec la boule rapide, ça passe. Très bien.
Paf. Et tape. Merci. Ok. Bon, il n'y a plus qu'à trouver le levier. Encore un ascenseur, mais c'est pas vrai. Et je ne peux pas le croire. Il n'y a rien en dessous cette fois. Très bien. Good. On va se remettre ça si on meurt. C'est pas être pessimiste, c'est être prévoyant. Oh bah il est juste là le levier. Comme si j'allais croire qu'il n'y a pas un truc qui m'attend dans cette salle. Des vives jarres, très bien. Beuh. Voilà. C'est trop fort les attaques sautées, c'est débile. Eh ben, bah, et mon levier? Madame, vous êtes la statue gardienne du levier, pourquoi y a rien? Rembourser nos invitations. Ah. Pourquoi je l'ai pas vu? Il est gigantesque ce donjon. Au moins cette fois il n'y a rien en haut. Ah. Des vives jarres explosifs. Chouette. Oh, le petit plongeon kamikaze. Drôle. Il est tout seul. Vraiment? Ah d'accord. Elle sert à rien cette salle du coup. Bon. Mais qu'est-ce que vous faites là vous? Il n'y a rien à faire dans un donjon enfin. Purifier tout ça, moi. Ah, pas suffisant. Autant faire trois petites, du coup. Je pense que ça devrait aller. Bah, ou ça, si toi tu tires en latéral, t'es pas dangereux. Après, est-ce que j'ai vraiment besoin de les tuer? Bien sûr que non. Hey, dans le trululu! Vraiment à ça. Oh oui. Comme sur les gros. Ah, t'es sûr. Trop bizarre qu'il y ait cet ennemi ici. Bon, s'ils veulent. Et donc là, on devrait arriver là où il y avait la grosse vive jarre. Juste... Non. Élégant, bah je j'y peux rien, c'est un trululu, je vais pas. Je sais pas où ça m'emmène ça. Ah, elle est là, la grosse vigeur, très bien. Monsieur, une petite boulette de feu? Pas n'importe quel feu, attention. Du feu qui tue les dieux quand même. Hein. C'est pas de la merde quoi. Qu'est-ce que je suis venu vous foutre ici? Y'a rien. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Ah! J'étais un étage trop haut. J'étais mal repéré. Donc le vivjar, il est de... Mais tout est effondré! Mais diantre, ça n'a servi à rien! C'est peut-être pas la même salle-ci. Après, il y avait ce couloir-là. Où j'ai pas été, du coup. Aïe!
Boum. J'ai pas été ici. J'ai été ici. Fichtre! Eh ben, il est perdu, je vous jure. Va chercher. Va chercher, mon jus. Tu vas trouver mon jus. Cherche. Essayons de repérer un petit peu. Tu t'es déjà fait avoir par ça, pas deux fois, s'il te plaît, merci, c'est gentil. Donc ouais, ouais, là, on est là. On n'est pas au même endroit. Comment on peut ne pas être au même endroit? Il y avait encore quand même un ascenseur. Ça, je comprends pas. Encore un donjon qui essaye de nous désorienter. En tout cas, a priori, on a trouvé le levier, ça c'est bien. Bourrin, Juju. On va pas du tout trouver le levier, d'accord? Fort bien. On avance, Alain. On est encore dans un espèce de truc en colimaçon. Pour nous désorienter. J'arrive pas à me repérer, du coup. Ouah! Quand on est tombé, on n'est pas tombé là où on pensait tomber, je pense. On va continuer de suivre. Hein. Pas le choix, toi aussi. Suis le mouvement, mon Juju. Tant qu'il y a des ennemis, c'est que t'es dans une nouvelle partie du donjon. Donc. Ouais, là, je suis retombé au même endroit du coup. Donc ça ne m'a servi à rien. Eh mince. Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque encore? Mais du coup, ça veut dire que l'ascenseur, définitivement, c'est pas le même ascenseur là. Donc faut le prendre. Si ça m'a emmené dans une autre partie de donjon. À moins que là, je suis revenu au début sans m'en rendre compte. A priori, on n'est pas venu ici. Sinon, il n'y aurait pas de gargouille. Je suis pas mort, hein. Donc, les ennemis, c'est vraiment des nouveaux ennemis. Ok, oui, non, c'est bon. On est bien dans une nouvelle partie de donjon. En fait, tout à l'heure, quand j'ai vu l'ascenseur et que je me suis rendu compte que j'étais dans une nouvelle partie de donjon, c'était logique qu'il fallait y retourner pour le prendre, puisque c'était un ascenseur qu'on n'avait pas encore pris. Très bien. Attends, il y a un truc derrière moi. Non? J'entends des bruits d'ennemis qui tapent, ouais. T'as plus de fiole. Oh merde! Et d'où tu sors? Attention. Oh merde, non mais j'y voyais rien là, je comprenais rien à quelle hauteur il était à cause de sa collision avec l'arche. Donc je savais pas quand est-ce qu'il allait tomber. Fait chier. U par collision avec le décor. On est tout au début du coup. On se voit, on peut y aller très vite en fait. Si je dis pas de bêtises. On va à l'ascenseur qui est je ne sais plus où. Pas forcément très loin, on va tout faire en courant. Quand même fait des trucs bien rigolos avec ces donjons. On n'a pas besoin de retourner en bas, ça c'est sûr.
Voilà, le boss il est là, très bien. Notre but c'est d'aller prendre cet ascenseur là. Cette fois on se le renvoie pas, on est confiant. Saleté. On va par là. On grimpe, on tombe. Et on reprend l'ascenseur. Et on revient très vite là où on est. Combien de fois? Combien de fois? Sérieux. Oh merde, j'ai crevé ici. Avec le gel qui me ralentit. Pardon. Par ici. C'est loin, hein. Mais bon, je pense qu'on était au bout de avoir le levier derrière la statue. Je pourrais d'ailleurs juste aller l'activer et ne pas la tuer. Parce que ça commence à me saouler, ces chachas, là. Donc on va là. On reprend le chemin de l'ascenseur. Qui est en haut, puisqu'on est mort quand il était en haut. Ah! C'est la vue jarre que j'ai vue tout à l'heure. Attends, on va voir, vite fait. Oups. Ah, il a mis une peau de fer. Non, mais ce jeu n'est pas Dark Souls en monde ouvert. Non, 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 pas du tout. Il y avait un petit objet à prendre ici. Oh, ça se trouve, le levier, il est là. Mais oui. Est-ce qu'on va vite fait quand même prendre nos runes et tout? Allez, 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 allez. Tu prends pas le piège cette fois, s'il te plaît. C'est bien. Ici, ça devrait être facile sans les jarres. Ok. Il y avait un objet violet derrière la statue, je crois, en fait. Quoi, quand même y aller, on va faire l'effort jusqu'au bout, puis on a nos runes aussi. Bon, les runes... Tac. Tac. Nickel, on a tout compris. Ça nous a pas pris trop de temps, c'était presque pas vexant du coup. C'est juste vexant d'être mort sur la même attaque 20 fois dans l'épisode. Ça c'est un peu relou, mais bon, pas grave. On va pas les ascenseurs, on est confiant, j'ai dit. Ah, t'es là, toi. Là, c'est one shot puisque ils sont surpris, donc ils prennent un peu plus de dégâts. Il n'y avait pas un dernier? Il y en avait un autre, non? Presque sûr qu'il y en avait un autre. Vas-y, on court, on prend l'objet, on se casse. J'en ai marre. C'est juste pour un muguet, mais non. Pourquoi je m'emmerde? Je me casse. Mais d'où tu viens? Monsieur, j'admire votre persévérance, mais ça suffit. Le plus simple pour se barrer, c'est ça en fait. Tac. Tac. Et l'ascenseur qui retourne au boss. Nickel, allez-vous. Parfait. Pour le boss, bah écoute, je crois qu'on est bien comme ça, hein.
Ah mince, il y a plein de gargouilles. On se parle. Ou pas nous suivre chez le boss. Ah. Ce que j'allais dire, ça va être un arbre ulcéreux. La burk. Oh ça va, t'as pas trop de vie. Oups. Ouf, pas la chope. Pas la chope. C'est pas encore l'explosion, tout va bien. Pif. Ah c'est l'explosion, c'est l'explosion, c'est l'explosion. Ah. Oh, temps de reconnaissance de l'attaque beaucoup trop long, monsieur Juju. Oups. Magnifique. Par la flamme exaltée, et crève. Et sois purifié. Et j'en ai 5 du coup des graines. Cool. Et beaucoup de runes aussi. Une morte fleur. Oh, faut vraiment qu'on y retourne. Hein. On a 2, je crois. Pour notre pote le clergé. Notre pote le clergé, notre pote le clerc bestial, pardon. Nickel. La grâce, elle est juste là. Ouais, merci. Il m'en manque 3000. Tuc tuc tuc. Zbam. Tu sais quoi? Je vais toutes les claquer. Ça traîne dans l'inventaire, ça prend de la place. Ça m'ennuie. Ça nous en fait un peu sur nous si on meurt, malheureusement, mais c'est pas très grave. On va se faire la gargouille devant le clair bestial aussi, tiens. Ce sera fait. Je pense qu'on est apte maintenant. On va finir 150, hein. Ok, super. Alors, bah ça, c'est fait. Bien. Ça, il est pas vénère. Encore. Un grand marteau griffu. Mon avis, c'est force fois. C'est même sûr. Oui. On pourrait faire un double marteau force fois avec ça. D'accord, d'accord. Bah, pas tout de suite, monsieur. Hein. Tu vas te calmer un peu. J'en ai plus, là. Je sais même pas où en trouver. Ah bah si, là où il y a le passage secret. Pas le lock, Juju. N'oublie pas, pas le lock sur les gargouilles. Plus tendu. C'était d'évidence pour lutter, mais ça mange pas de pain. Je vais faire l'esquive quand même. Tu changes d'arme. Yes. On savait connaître ces petites... Oh merde. Petite coquine. Allez, viens là où il n'y a pas trop de pente. Enfin, quoi que c'est pentu partout ici. Et le troisième. Oups.
flap. Ouf. J'ai du mal à esquiver celle-là. Allez go. Non, t'es trop loin, t'es trop loin. Merde. Oh ma vie, la vache. Là on peut, on peut, on peut, on peut. C'est le combo? Non. Ça, faut que je me réhabitue. Et le troisième? Non, y a pas de troisième. Ah, je sais pas ce que tu fais, je vois pas. Si t'es sur l'utel là, je peux te mettre de la petite boule. Merde! La petite boule de feu. Un peu loin. Ouais. Ouh! Flap. Tac! Yeah! Vite! Putain de collision de merde! Pardon pour le langage, saucisse. Flap, tac. C'est vraiment un combat tout en onomatopée. Flap, tac, bim, bim. On peut y aller, on peut y aller, on peut y aller. Patience. Deux, non, oui. Elle meurt. Yes. Très bien. Ça ne doit être pas pour ça. Oh. Donne presque envie de descendre. Mais c'est beaucoup trop haut, t'es complètement idiot. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Vraiment envie de descendre, hein. J'essaie de voir s'il y a une petite lueur d'objet qui pourrait... Non mais avec la branche on peut descendre, c'est sûr. Va voir. Ça se trouve c'est comme ça qu'on ouvre la tour. Non? Non? Avec cette branche là? Peut-être qu'il faut tuer le clair bestial pour... Attends, voir. T'as 114 000 runes, Juju. Est-ce que tu veux vraiment aller jouer sur la falaise? Alors attends, non. Bien sûr que non. On va se mettre un petit point de vigueur en plus. Parce que 114, je pense que c'est le tout pile pour avoir un niveau en plus quand même. C'est vraiment dommage de faire une bêtise. Oh, il manque rien et j'ai plus rien. Ah! Cette vieille blague pourrie. Alors, attends voir, on va surveiller un petit milicien à tuer là. Vous, monsieur, je vous vois. Vous serez mon point de vigueur supplémentaire. Taillot. Alors attends. Alors attends. Merde. Ah! Help! Non! Tu le... Oh merde, secours. Tout s'est bien passé. Sans aucun accroc. Retournons revoir cette petite falaise maintenant qu'on a 931 runes sur nous. C'est quand même moins risqué. Enfin, on va mourir, mais on s'en fout du coup. Au pire, on meurt quoi.
Moi je dis c'est possible. Moi je dis c'est pas possible. Ça donne vraiment envie, hein. Comment. Peut-être tuer le clair. En même temps, il nous donne des trucs de foi et tout, on va pas le tuer, mais... Ouais, on sait, gregreux. Pas autre chose à dire. Bon. Après tout ça, nous avons toujours un boss ici, mais qui nous tue vraiment très très vite. Est-ce qu'on veut le retenter maintenant? Non. Est-ce qu'on veut le retenter dans le prochain épisode? Oui! Ou alors on prend cette route-là. On a le choix. On va peut-être le retenter une fois et puis après, si vraiment il est trop relou, on se cassera. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rogue Justice. Joue à Elden Ring, j'espère que ça t'a plu. Je vous dis à très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.